Bonjour, je suis Daniel Quellet, je suis délégué du Défenseur des droits avec quatre autres collègues dans le Haut-Rhin. Le Défenseur des droits est une haute autorité indépendante qui regroupe quatre missions principales. La première mission, c'est celle de l'ex-médiateur de la République, c'est-à-dire recevoir l'ensemble des gens qui ont des problèmes avec les administrations, avec les collectivités, avec des services comme la CAF, l'URSSAF, avec les impôts. Une mission qui est la lutte contre les discriminations, qu'exerçait avant la HALDE. Elle a une troisième mission qui est celle du droit des enfants. Et la quatrième, c'est toute la déontologie des services de sûreté, police et gendarmerie. La mise en place de conciliateurs, comme veut le faire la mairie de Mulhouse, c'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Ben, à la CAF, à l'URSSAF, à EDF, aux impôts, il y a partout des conciliateurs. Et ça nous facilite énormément la tâche, parce que nous savons à qui s'adresser quand il y a un problème, pour avoir des explications. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de concurrence. Au contraire, comme je l'ai dit, ça va nous faciliter les choses et c'est bien qu'une collectivité mette en place des conciliateurs dans ce sens.